Petit message juste avant de commencer la vidéo, il y a un concours qui se passe actuellement sur mon Discord pour gagner une Endium Nugget parce que on a atteint enfin les 1000 membres sur mon Discord. Donc le lien d'invitation est en description, il y a un channel giveaway, donc voilà, c'est très simple pour participer. Vous avez une chance de gagner une Endium Nugget, du coup je compte sur vous, le lien est en description. Eh bien salut tout le monde, c'est Sandra, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium. Et aujourd'hui on va tout simplement constater que le staff est venu dans ma base après la maintenance. Donc au moment où je tourne, on est le lundi 25 novembre. Donc le samedi 23 jusqu'au dimanche, il y a tout simplement une maintenance de plusieurs longues heures. Vraiment très long, ça a duré plus d'une journée. Ils ont fait une maintenance pour simplement installer une nouvelle mise à jour. Donc au niveau du PVP, il y aura de nouveaux items, il y aura le market aussi. Et eux aussi se sont rendu compte qu'il y avait pas mal d'items dupliqués sur la map. Donc ils en ont profité pour vérifier un peu tous les endroits où il y avait pas mal de stuff. Bien sûr, ils ont passé ma base au peigne fin. Donc bien sûr, avant de commencer, on va faire la question du jour. Donc c'est une question que j'ai sélectionnée dans ma dernière vidéo. Donc elle fait question du jour: quelles sont tes motivations sur YouTube et pourquoi as-tu créé ta chaîne? Donc alors, mes motivations sur YouTube sont tout simplement que c'est ma passion. Déjà de 1, j'ai toujours aimé faire ça. J'ai toujours aimé avoir un public qui me regarde en fait jouer et apprécier ce que je fais. Et surtout en plus, j'aimerais bien que ça devienne mon métier plus tard. Et pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? C'est tout simplement c'est à cause de ça en fait, parce que j'adore ça. J'ai toujours rêvé de faire ça, tout ce qui me manquait c'était le matériel. Et vu que maintenant je l'ai, j'en profite pour faire ce que j'aime. Il vous suffit juste de poster un commentaire dans les commentaires de cette vidéo et peut-être que j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Du coup maintenant je vais passer à la partie que sûrement pas mal de monde attend. Et je tourne ma vidéo un jour après avoir posté ma dernière vidéo. Donc à chaque fois on atteint à peu près les 1000 likes, voire 1200 likes. Le problème c'est que là ça va faire 4 jours que je n'ai pas sorti de vidéo. Et en 4 jours on a eu le temps de faire pas mal de likes. Donc ma vidéo a fait plus de 10 000 vues. Je sais plus à combien on en est. Je crois qu'on doit être à 12 000 ou 13 000 vues au moment où je lance cette vidéo. Et le problème c'est qu'on est arrivé à 2500 likes. Ça fait quand même 3 heures de farm. Donc je vais montrer vite fait mon métier hunter. Donc je suis monté à 27 677 XP. Du coup souhaitez ma bonne chance, on se retrouve dans 3 heures, à tout de suite. Et bien gros tout le monde, du coup voilà, ça fait 3 heures que je farm, mais j'ai eu quelques petits problèmes quand même. Donc je n'ai pas pu farm comme d'habitude. Donc là je suis dans un nouveau spawner. Donc Gaëtank m'a TP dans un double spawner à zombies. Le problème c'est que depuis la nouvelle mise à jour les serveurs lag plutôt pas mal. Tant regardez, on est que ça sur le serve. Et je crois que ça m'a timed out 3 fois je crois. Et il y a plusieurs lags, genre des gros coups de lag pendant 10 secondes et tout ça. C'était assez chiant pour farm. Donc je n'ai pas pu XP vraiment hyper longtemps. Donc je suis quasi monté à 35 000 XP. Attendez, on va faire vite fait là. Donc voilà, je suis monté à 35 000 XP. Donc j'ai plus farm que 8000 XP en 3 heures, donc c'est vraiment très peu. Donc voilà, l'objectif de like est toujours là. Donc tous les 200 likes, j'ai farm pendant 15 minutes mon métier de hunter. Du coup, je compte sur vous pour atteindre au moins les 1000 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, maintenant, je vous laisse avec la partie où je fais un petit trade qui est quand même, enfin, assez gros quand même. Du coup, je laisse avec cette partie là. Du coup, à tout de suite. Et bien gros tout le monde, donc juste avant de faire la partie du don de la vidéo, on va tout simplement échanger un stack de blocs de Findium contre 650 000 dollars. Du coup je préfère encore le vendre. Donc c'est un membre de ma faction qui s'appelle Aperobis qui va tout simplement me l'acheter. Ok voilà, du coup 650 000 de la part d'Aperobis. Donc voilà son un stack de blocs de Findium. Donc il voulait hein, il m'a, je crois qu'il a négocié au moins pendant une journée entière avec moi. Ça, j'ai assez augmenté le prix parce que de base je crois qu'il voulait me le payer, non pas 300, 633 000 dollars je crois, comme ça. Et du coup voilà, j'ai réussi à le remonter quand même à 650 000. Du coup voilà, c'était tout pour la petite partie du trade. Donc je vais monter maintenant ma monnaie. Donc slash money, je suis monté à 11 773 000 dollars. Du coup encore quelques milliers et je passe la barre des 12 millions de dollars. Du coup maintenant je vais laisser avec la partie du don de la vidéo et on se retrouve juste après. Et bien re tout le monde, du coup on se retrouve pour la partie don de la vidéo. Donc là ça va être Fire avec 3 underscores, enfin 4 underscores juste avant de son pseudo. Et du coup il m'a dit qu'il avait un don assez urgent à faire sur Mineria. Ok voilà, ok, il m'a TP, donc il m'a TP dans une espèce d'ancienne farm. Donc ton intro est génial, bah merci à toi, on me le dit souvent, ton intro est génial. Donc tu m'avais plus d'abo, courage, tu es mon youtubeur préféré, tu fais du très bon contenu, don de la part de Fire et de Lance et Natis, abonne-toi à ma chaîne Lance, donc bon, pub à vous hein, tout simplement. Du coup c'est parti, on va tout simplement ouvrir, c'est parti. Oh ça c'est intéressant, surtout la dynamite parce que j'en ai plus du coup après le pillage. Ok,
du coup il y a des broadswords, donc il y a celle-là qui est améliorée à fond et celle-là qui vient juste d'être faite. Ensuite il y a pas mal de lingots en palladium, il y a un stack et 46 lingots de palladium, il y a 3 blocs de palladium, il y a un stick of god solidité 3, ça vaut assez cher, ça vaut 60 000 $ environ. Un wither entier, oh bah merci à vous, ça franchement pour aller pillager tout ça, ça c'est grave utile, merci à vous. Ça c'est plutôt un don pillage je pense, hein. c'est pour les pillages. Ensuite il y a 64 dynamites, il y a 12 slime pads, ça il m'en fallait, c'est chiant à craft et c'est chiant à chaque fois en avoir. Ça c'est, oh d'accord, avec le great knockback dessus, d'accord, c'est très intéressant, c'est très rare de voir ça, enfin on met pas souvent knockback dessus. Et encore un sticker du 3, bah merci à vous, c'est grave sympa. Oh là, mais ça, ils sont vraiment sérieux. Ouais, ils sont vraiment sérieux, ils m'ont mis une pépite dans Jump comme ça, genre en mode bon bah tiens, hop, à traîner dans mes coffres, je te la donne. Bah merci à vous, en tout cas merci pour la pépite dans Jump, merci. 100 000 $, oh bah merci à toi. Ah bah tenez, il y a 708 CN, salut à toi. 300 000 $ de la part de Fire, oh bah non, calmez-vous les gars, calmez-vous. Du coup, hop, on va tout simplement mettre cette petite pépite en endium à l'intérieur de notre C. Et encore 100 000 $ de Lance, mais ils ont pas fini, ils ont pas fini. Bon, à ce qui paraît, l'ordre n'est pas encore terminé. Vu que je me TP à lui avec une pioche, bah tout simplement, bah j'ai une pioche sur moi. C'est vraiment des malades, je crois que là, d'avoir un stack de blocs. Je croyais d'avoir un stack de blocs. Ils ont fait une prison, d'accord, ils ont fait une prison. Ils ont... un peu chelou l'ordre, ils ont fait une prison sur la droite. Ok, du coup, j'ai fini de tout récup. Donc, je suis monté à 57 blocs. Il m'ordonne, ok, d'accord, je pense que c'est ce qu'il a récupéré. Ils m'ont donné un totem. Oh bah merci. Oh, je vous redonne un Stick of God. Un 9 en plus, un U3. Non mais en plus ça coûte hyper cher, bah merci à vous. En plus le staff ils m'ont tué avec des Stick of God tout neuf et tout ça, du coup bah. Donc voilà, un grand merci à eux, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bien gros tout le monde, du coup on se retrouve sur Mineria. Donc on va tout simplement découvrir un peu la nouvelle mise à jour. Donc déjà il y a un point qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut plus ouvrir les EC sur Mineria. Donc je sais pas si c'est que Mineria ou si c'est tous les serveurs. Mais du coup il y a un point qui m'inquiète, c'est tout simplement ma base avec les drawers. Mon chef de faction avait exactement la même base et le problème c'est que les modos ont détruit sa base à coup de de dynamite en endium. Et voici de comment je la retrouve. Donc bien sûr ils n'ont détruit aucun drawer, donc tous mes drawers sont ici. Le problème c'est que normalement ma base est censée être à 0% et à cause un peu d'eux elle est montée à 27% comme vous pouvez le voir en haut, juste parce qu'en fait ils ont posé tous les drawers qui soupçonnaient d'être dupliqués tout simplement. Donc en fait là il y a un mec qui passe juste en haut, il voit 27% sur son claim finder, il regarde et il voit une base comme ça quoi, en fait tout simplement aller chercher vite fait une hache. Ok c'est bon, okay, j'ai pu ouvrir tout simplement mon under chest sur Volcania. Et du coup j'ai tout simplement tous mes items, ok, ils m'ont rien supprimé. Le chest en endium est bien réel. Franchement je me serais pas co à temps, je pense que j'aurais peut-être perdu ma base en fait. Mais par contre depuis quand j'ai un drawer de 80 000 subs moi? J'ai un drawer avec 31 000 pommes de terre, mais je savais même pas que j'avais tout ça en fait. En fait je stocke des choses dans ma base, je sais même pas combien j'en ai. Ok c'est bon, du coup j'ai fini de tout remettre à sa place. Donc voilà, ma base est redevenue à 0%. C'est quand même pour dire les modos sont quand même venus se TP dans ma base quand même, hein. C'est quoi ça? Ah, regardez les effets qu'on peut faire. Guitare. Si regardez mon personnage, il bouge ici. Regardez, vous voyez la main qui fait la guitare. Ah, c'est stylé ça. Imagine, vous avez clap clap clap. Moi, je viens de voir un truc assez intéressant. C'est pour la quête du jour. 5 pistons valent 8 000 $. Ah oui, attends, je vais regarder si ma monnaie, si elle a pas été. Non, ok, on sait jamais. Ok, voilà, c'est bon. J'ai mes 5 pistons. Donc, parce qu'en fait, je trouve ça vraiment rentable. 8 000 $ juste pour 5 pistons. La mise à jour n'a pas apporté le craft du métier alchimiste. Enfin, de comment l'XP. Ah, c'est assez dommage. Je pensais qu'ils allaient l'apporter tout simplement. Donc, un autre point qui a été amélioré, c'est tout simplement le PVP sur Palladium. Donc à ce qui paraît il a été revu, donc c'est tout simplement ce qu'on va voir. Par contre le bug qui a été enlevé, c'est le bug de la broadsword. On peut plus taper aussi rapidement qu'avant. Il y a aussi les damage de la broadsword qui ont été modifiés. Maintenant c'est plus 9 attaques je crois toute seule je crois. Donc en fait j'ai l'impression que la broadsword ne sert plus à rien en fait, ne fait plus autant de dégâts qu'avant. Ok d'accord, donc là c'est la deuxième fois que je la réutilise. Donc avec un seul Stick of God il faut attendre à peu près on va dire 20 secondes, on va dire. Maintenant l'expérience que je veux faire c'est simplement si on en possède plusieurs, parce que je sais que sur Palladium pendant un moment, enfin même avant cette mage, quand on possédait plusieurs Stick of God, ça, enfin on attendait moins de temps pour pouvoir utiliser un autre stick. Il y a eu tout simplement le moment où on pouvait posséder que 5 Stick of God par personne, et je crois que ouais, ok, ils l'ont remis. À partir d'aujourd'hui, on peut utiliser que 5 Stick of God dans son inventaire. Non, enfin, ok, c'est toujours le même délai. Hein. C'est toujours le même délai. On doit attendre à peu près encore 20 secondes. Hein. Maintenant, ce que je vais tester, c'est tout simplement le full Palladium. Parce que là, je suis en full améthyste et Titan Bot. Ok, d'accord, j'ai la même armure. Comme vous pouvez le voir, j'ai la même armure en bas. Du coup, c'est carrément mieux d'aller maintenant PVP en full Palladium. Parce qu'il casse beaucoup moins vite que l'améthyste et le Titan. Enfin, ça coûte toujours moins cher à fabriquer. Mais le problème, c'est que au fil du temps, vous allez utiliser beaucoup plus de Titan et d'améthyste que de Palladium, par exemple, pour
vous refaire du stuff. Et bah la Palladium Sword va revenir au niveau du PVP. Voilà, il y a un nouveau truc aussi qui a été ajouté, c'est Unmade. On va essayer de le crafter pour voir. Ok, c'est bon, du coup je dispose d'un nouveau... Alors attendez, je vois c'est Guardian Hammer. Je sais pas si ça existait avant, dites-le moi. Ou alors je découvre des choses à Palladium. Et aussi la Hard Ned Obsidian qui a été rajoutée. Donc ça normalement c'est le bloc anti-crash code du serveur. Ah oui, il y a ça aussi qui a été rajouté. C'est tout simplement une Magical Tool. Donc pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, elle ne sert strictement à rien. Donc ne la craftez pas en fait. Donc ouais, pour l'instant il y a des ajouts qui ne servent pas encore à grand chose à la serveur. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a tout simplement le Slash Market qui est revenu. Ok, du coup j'ai dit dans le chat c'est quoi la commande du Market SVP. Et à ce qui paraît, il n'est pas là. Du coup normalement pour moi c'était censé être le plus gros ajout de cette mise à jour. Et bah il n'est pas là quoi, voilà. Mais bien sûr j'espère qu'il sera là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça serait extrêmement plaisir. Juste les 30 000 abonnés avant la fin de l'année, voilà. C'est un petit objectif, je sais pas si on va l'atteindre mais ça serait assez cool. N'hésitez pas aussi à liker parce que tous les 200 likes je vais faire pendant 15 minutes mon métier de hunter. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo pour la question du jour ou pour me dire autre chose, hein, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à partager ces nouvelles actions de personnes pour me faire connaître sur Palladium. Rejoignez mon serveur Discord comme je l'ai dit au début. Il y a un concours pour gagner une Endium Nugget dessus, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Tout est en description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. C'était tout pour moi. Allez, ciao, bye les gens.